Hey, salut les geeks, et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau MMO, enfin un nouveau pour moi, sur un MMO FPS créé par Crytek. Et donc c'est par les créateurs de Crysis, et comme je vous l'ai dit, c'est un FPS multijoueur massivement et tout, bordel. Et attends, je vais peut-être pas lancer tout de suite. Les classes, donc il y a ça, je crois c'est les 2010, mais je sais pas si ça change quelque chose de les choisir en début de... avant la partie ou pas. Jamais vraiment essayé. Alors on a quatre classes. On a le ça c'est le fusilier je crois, ça c'est l'infirmier, l'ingénieur et le recon, donc au sniper. Donc en fait le fusilier c'est donc au fusil d'assaut, l'infirmier c'est avec les fusils à pompe. L'ingénieur c'est pistolet mitrailleur, donc arme à grosse cadence de tir, tout ça, mais gros portée. Et on a le sniper. Donc pour l'instant j'ai pas de sniper en coup par coup, j'ai que des snipers en mode bourrinage. Et donc apparemment il y a... Apparemment il y a... Merde. Il y a deux modes principaux de jeu. Donc il y a le mode coopératif en fait, qui vous permet de... De faire en fait c'est vous êtes en coopération donc avec d'autres joueurs en ligne contre des vous faites une mission en fait et à contre des bots. Donc il n'y a pas deux équipes, il y a une seule équipe et c'est beaucoup plus teamplay que le mode conflit. En fait le mode conflit c'est simplement du PVP quoi. Et donc moi je vais vous faire une vidéo PVP pour cette première. Et donc je vais commencer par la classe assaut, parce qu'en fait quand vous commencez le jeu vous avez que simplement deux classes. Vous avez la classe fusilier et la classe recon. Donc je vais faire comme sur Ghost Recon, je vais vous faire une vidéo par classe et je pense que je vais faire je vais essayer de faire pour chaque vidéo une dans chaque mode, mais bon on verra parce qu'il y a encore rien dessus. Donc vous avez la boutique de base aussi hein. Donc tout ça je sais pas encore ce que c'est, j'ai commencé le jeu hier. Donc je sais pas encore trop ce que c'est, mais bon c'est que des trucs qu'on doit acheter ou avec de l'argent ou avec les couronnes. Et les couronnes ça se gagne en coopération en fait, selon ce que vous faites et tout, vous gagnez des couronnes. Je sais pas trop encore comment ça marche, mais bon voilà, 14 000 couronnes, à mon avis faut y aller pour les avoir. Et donc voilà. Donc là j'ai des sous. Vous voyez là c'est marqué offre multiple, c'est où je l'achète à 20 000, mais ça c'est une arme temporaire en plus. C'est la merde. Ouais, je vais commencer avec la classe assaut. Et je sais pas si je vais pas acheter ce nouveau fusil. Je vais aller voir vite fait. 71, 670. Et moi j'ai... donc là il y aura plus de dégâts. Il y aura juste plus de dégâts. Il y aura une moins bonne cadence de tir sur l'arme si je l'achète. Et là 30, 21, 30. Je vais juste voir vite fait. Et puis après on va partir. Ouais, du coup ça sert à rien quoi, pour 5 points de dégâts je vois pas l'utilité. Donc je vais pas acheter d'armes, on va partir directement en mode donc apparemment il y a en mode PVP il y a plusieurs modes. Il y a le mode assaut, détonation, escarmouche, chaos, capture et destruction. Et moi j'ai pour l'instant j'ai décidé que escarmouche, donc on va repartir sur escarmouche en espérant trouver une partie. Parce que c'est pas toujours facile de trouver une partie, recharger une partie. Donc là c'est marqué 4% de participants. Donc je sais pas si ça va trouver quelque chose. On verra bien. Et juste si ça met trop de temps, au pire je ferai une petite ellipse et puis. Ok, 0 participants. On va changer de map. Alors je vais essayer de faire une map que j'ai jamais fait avec vous. Avec que j'ai jamais fait tout court, donc Doc par exemple. Pour l'instant j'ai fait que deux maps, j'ai fait hangar et je crois que c'est trailer park. Allez, ce serait bien qu'il y ait des gens. Je comprends pas le pourcentage de participants. Je sais pas quoi, comment il le base et tout, à quoi ça sert exactement. Vous savez quoi, je vais pas vous faire poireauter, je vais directement faire une ellipse et on se dit à tout de suite. Allez. Donc voilà. On se retrouve dans l'accueil de la partie. Donc avant. Donc on est dans la map doc en mode escarmouche. Donc moi je suis dans les équipes Blackwood.
Début de manche. Ça part direct. Donc on arrive, par contre on est déjà en partie apparemment. Il y a 45 à 47. En gros le mode escarmouche c'est un genre de... c'est un match à mort. C'est tout connement un match à mort par équipe. C'est tout bonnement un match à mort par équipe, mais c'est juste que ça va pas en maximum de points, ça va en, en temps en fait. Voilà. Je vais essayer de jouer du mieux que je peux, pas trop je comme un barbare. Mais le jeu graphiquement est pas du tout dégueu. J'espère que ça va pas trop. Putain, c'est ce dernier moment. Ah mais c'est 20 000. Donc je dis je vais pas trop rush, je vais faire ça. Voilà, donc la spécificité du fusil en fait c'est que bon bah vous avez votre arme principale, votre arme secondaire, vous avez votre couteau sur le bouton 3, bouton 3, bouton 2, bouton 1. Pourquoi j'ai voilà j'ai fait des dégâts, donc 4 c'est grenades, et en fait 5 c'est donc le pack de munitions qui est par contre c'est vraiment spécifique au. Je tue la merde, c'est vraiment spécifique au. Putain mais je vais le tuer. C'est vraiment spécifique au fusilier. Parce que en fait les autres après elles ont d'autres. Ils ont d'autres attributs on va dire. Genre le, l'infirmier il a un kit de soin en fait, il a pas. Oh mais lol le mec il était avec quoi. L'infirmier il a le kit de soin en fait. Je prends mon kit et je fais clic gauche. Ah, je pense qu'il y a plus d'un chargeur. Oh mais je me fais défoncer. Je suis du 2-3 en fait. Je pense qu'il faut utiliser plus d'un chargeur pour voir ça marche. En gros clic droit c'est pour vous et clic gauche c'est pour vos, vos alliés. Et dès que par exemple un allié a plus de munitions, il va avoir un icône jaune qui va s'afficher au-dessus, s'afficher au-dessus. Ça, mes barqueurs. Et donc ça c'est un truc que si moi je me mets là par exemple et que j'appuie sur E en fait, je vais attendre qu'un mec vienne et appuie sur E lui aussi et en fait ça va permettre de le faire monter en fait une plus grande hauteur quoi. De ouais, quelque chose que je pourrais faire monter simplement là. Le mec je l'ai pas touché apparemment. Après, je sais pas si je suis ping parce qu'apparemment j'ai deux barres de. Putain ils ont enchaîné les headshots les mecs. Je sais pas s'ils ont comme petit flingue mais moi j'ai failli. Tu t'es fait violer copain. Ouais on va pas tenter le diable. Vous voyez par exemple là la main. Le mec je sais pas ce qu'il a comme arme mais il me débaroule. 87 à 87. Je vais faire deux parties je pense pour nous vendre. Je préfère limite faire une vidéo PVP avec, avec fusilier et une vidéo PVE en fait. Je pense que ça sera plus simple. Donc voilà donc j'ai fait un bon score de merde, la meuf j'avais jamais fait. Et ce qui est particulier dans le jeu c'est que si vous restez dans le dans l'accueil, dans le lobby. La map change pas en fait, c'est toujours la même map. Donc faut choisir la map dans laquelle vous voulez jouer. Et si vous voulez changer de map, faut quitter l'accueil et après aller sélectionner notre map et réattendre que ça cherche une partie. Donc là on a gagné. À deux points près, c'était vraiment super serré. Je sais pas quel niveau sont les mecs par contre. Je vais pas vous dire, je connais pas encore tous les grades. Même moi mon grade, je sais même pas à quoi ça correspond. Donc voilà. Grade suivant, cadet première classe.
Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer un truc. En fait, je sais pas exactement spécialement comment ça marche. Là, c'est ça en fait. Sélectionnez l'un des vendeurs à débloquer. En gros, en fait, vous sélectionnez ce que vous, un équipement, une arme ou un uniforme que vous voulez débloquer par la suite. Je vais essayer de changer de map. Un équipement que vous voulez débloquer. En fait, et dès que la barre bleue qui était en dessous se remplit, bah, en fait, vous pouvez le débloquer et ça le débloque à l'achat en fait. Donc ça vous le débloque pas, vous le gagnez pas, mais vous pouvez l'acheter. Bon, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Eh bah, nickel. Je suis où? Donc apparemment, ouais, ça, je disais que je savais pas si ça change. Ils sont tous en récolte, les mecs. Je savais pas si ça change, mais de choisir sa team en fait avant le avant d'entrer dans la game. Mais apparemment si, parce que je suis sûr que si j'enchaîne les games, je serai toujours dans la game. Ça, c'est n'importe quoi, en fait. Je viens de respawn et je me suis fait violer. Donc là, j'aurais été ingénieur, par exemple. Avec l'ingénieur, vous pouvez vous remettre le blindage. J'aurais été... merde, comment ça s'appelle? J'aurais été infirmier, j'aurais pu me remettre de la vie. Je vais me faire mal. Je sais même pas si elle a dégagé. Je me dis, je vais me faire mal. Je comprends pourquoi les mecs sont sous snipe. Je lui ai défoncé sa tête. Oh non, mais là. D'accord, quoi. Je crois que les mecs, ils m'avaient vu. Ils m'ont un petit peu violé. Donc là ouais, j'ai 7 minutes 35 de partie. Ouais, je pense que ça sera suffisant. Ça sera une petite vidéo qui aura aussi avec les pilotes. Et mon contrôle, ça se fume, ce fumier rouge là, je sais pas ce que c'est. J'ai réagi trop tard quoi. Oh, le mec il doit avoir un sniper de ouf quoi. Le bruit qu'il fait son arme. Moi j'ai un vieux sniper et un bruit de carabine à plomb là. Ça fait les mêmes dégâts qu'une carabine à plomb. Ça faudrait, j'essaie de vous montrer Ah mais le mec était pas mort. Par un sniper et campeur, le mec rage un peu je crois. Je sais pas s'il y a beaucoup de français ou pas dans la communauté du jeu, j'ai pas trop parlé. Ah ouais. Le mec il attend genre viseur fixe. Et par contre les Recon ils ont rien de spécial, je crois ils ont pas genre comme Medikit, je crois ils ont rien de spécial. Ils sont juste ouais leur main. Ouais, changer de classe, mais je peux pas changer de classe. C'est pas grave.
essayer de se rattraper sur la... Attention, dans l'ol, commence mal. Alors vas-y, est-ce que mon copain veut bien venir? Donc là j'ai deux doigts, j'attends des fesses. Et après si j'appuie E, le mec il met un doigt, mais je sais pas à quoi ça correspond. Un décompte comme ça. Ouais, donc les mecs c'est vraiment une map de sniper. Donc si je me souviens de la map, j'essaierai de vous faire celle-là sur cette map là. Oh. J'essaierai de faire sur cette map là le gameplay au record. Comme ça je pense que... Ouais, voilà, ça va faire mal. Je me suis un petit tué. Je suis très fort. C'est vous avez pu le constater, je suis version 2.2. Donc là vous voyez il a le truc de j'ai besoin de munitions. Donc là je vais pousser dans sa face. Ah mais le mec m'a défoncé, je l'ai même pas touché. C'est obligé que j'ai du ping, c'est obligé. Ah, ça se trouve ça vient réellement ça. Je sais pas du tout. Parce que là, le score 1-4. Oh, ça vous permet de voir ce que ça va se faire violer dans le jeu aussi. Mais je sais pas s'il y a trop du spawn kill comme dans Call of Duty ou quoi. Je sais pas si il y a des vidéos. Je sais pas s'il y a ce genre de jeu. Ah oui non mais lol. PS déplacement. C'est des random tirs ça. Ah mais c'est tué. Ah mais en fait je suis nul. Je pense qu'il y a une protection automatique au spawn. Bah je sais pas parce que tout à l'heure quand j'ai spawné, j'ai perdu ma vie directement. Mais enfin c'est pas comme... Le gameplay change pas vraiment selon les classes, c'est pas comme si... C'est pas comme dans Ghost Recon où genre vous avez le camouflage et vous avez le scan et tout, là il n'y a pas vraiment de super technologie de la mort qui rend le jeu. J'ai pas tué un sniper au corps à corps avec un fusil d'assaut. Putain, je suis vraiment une merde. Bon, il reste 1 minute 22. Je vous ai présenté deux gameplays de folie. Je vous ai présenté deux maps. Vas-y, viens là, copain. Et boum! Vas-y, viens. Est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Bah ben, voilà. Un gros vent. Il y a un mec qui doit être AFK, je crois. Putain mais c'est un truc de fou. Je peux pas rivaliser. J'arrive pas à tuer un mec, alors tu bouges pas. Attention grenade. Ah bah apparemment le spawn kill est possible mais bon, c'est genre dégueulasse. Ah putain je pute. Allez, on se met en mode gros chien de campeur pour attraper le score. Le mec m'a dit non tu fais pas ça. Ouais, donc là on a gagné, les points sont beaucoup moins élevés que certaines parties. Il y a des parties où on arrive à... Attention, grenade. Voilà, on devrait présenter à peu près tout l'aspect du gameplay principal, je dirais, du PVP. Après le PVE, c'est vraiment complètement différent. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.
Donc apparemment les sous sont assez compliqués à gagner. J'ai 11% de précision quoi. Tellement médiocre. Bah le mec a fait pareil là. Il est level 1 quoi. Je crois que le carré c'est level 1. Du coup je me sens rabaissé, ça fait plaisir. Moi ça fait que un jour et demi que je joue. Bon, du coup on va quitter le lobby. J'ai juste montré le lobby de la cove comment c'est, et puis on va se quitter là-dessus. En fait vous voyez, vous choisissez votre... Donc ça c'est une formation, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Donc en gros vous choisissez votre votre mission. Top secret c'est que c'est pas encore débloqué je pense. Après raid, je sais pas ce que c'est. Normalement c'est la difficulté ça, ce qui est écrit en gros. Je sais pas ce que c'est raid. Devez d'abord terminer toutes les missions normales, d'accord. Donc en gros vous choisissez, vous faites jouer, vous voyez les couronnes là. Vous faites jouer et une fois que en fait vous allez donc rechercher une partie, rejoindre des gens. Et puis après en fait vous avancez dans un jeu qui est. Comment dire. C'est vraiment linéaire, c'est des couloirs et tout, mais. Quand même pas trop rusher en facile ça va, mais j'ai essayé des parties en normal, j'ai même pas, on a même pas réussi à passer le truc, on a recommencé 3 fois. Il y a toujours un petit boss à chaque fin de mission, c'est pas mal. Le jeu est pas mal, je vous montrerai ça de toute façon. Bon, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, non je dirais même n'oubliez pas à partager, à vous abonner et à aimer la vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.